Je m'appelle Koshoni Edith. J'ai 4 enfants. La plus grande de mes enfants a 12 ans. Elle a passé au CM2 dans ces années-là. J'ai 2 garçons aussi qui vont à l'école. Lorsque j'ai reçu ma 15 000, là, lorsque j'ai payé livre et cahier à mon enfant, et l'argent là, ça reste. Moi, je sais que j'ai souffert et j'ai allé acheter du riz et du huile. Et j'ai dit qu'aujourd'hui, je vais faire voir, que, si elle voit si je vais trouver l'argent dedans. Si elle finit de vendre, j'ai trouvé au moins, dans la journée, j'ai trouvé au moins 2 000 ou 2 500 comme ça. Et j'ai fait tontine dedans, par jour, 1 000 francs, 1 000 francs. Nous sommes au nombre de 20 personnes. Si je ramasse 20 000 là, j'allais acheter du riz, huile et les condiments. Les 3 enfants qui vont à l'école là, dans l'argent là, je leur ai donné à l'école pour aller à l'école. J'ai payé tout ce qu'elle veut à l'école. Ce que les maîtres ont dit qu'il faut aller acheter là, je lui donne à mes enfants. Ils achètent ça à l'école. L'argent là, si on nous a donné ça à notre mari, ne pas nous donner ça. Et nous, on est là, on va souffrir avec les enfants. C'est pourquoi on nous a donné ça, nous, les femmes. Si on a bien travaillé à l'école, tu vas devenir quelque chose demain. Tu vas aider tes parents. Tout ce que aussi, tu veux, tu vas faire ça.